le montage est réglé comme une horloge. Chaque homme a sa place dans son équipe. Il faut pas moins de 70 techniciens pour dresser le chapiteau et les poteaux qui l'entourent. Un travail de précision et de force orchestré pour le confort du public. Le gradin du cirque Arlette Grus est très grand et très haut derrière. Donc on a dû adopter ce que nous on appelle les perches. Ils font 5,50 m, que normalement dans un cirque normal, ils font 4 mètres. Parce que le gradin monte beaucoup, et si ça serait 4 mètres, ben, le public il toucherait la tête dans le chapiteau. Innovation technique cette année, le cirque Grus équipe son chapiteau d'une nouvelle structure porteuse. Les quatre mâts ne sont plus à l'intérieur, mais à l'extérieur. 3 tonnes chacun, ils sont élevés à l'aide de rails et de câbles. L'intérêt ? Plus aucune des 1650 places n'est aveugle. C'est un spectacle de cirque à 360 degrés, puisque tout autour de nous, y a pas d'obstacles, il n'y a pas de poteaux qui gênent, et on a une visibilité exceptionnelle. Et comme chaque année, le cirque Grus renouvelle son spectacle. Dans la tradition avec les clowns et les acrobates. Dans l'air du temps aussi, avec entre autres des cascades motorisées. Et un grand show de lumière.